Oui, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est la chaîne des amateurs. Ben, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau drone que j'ai reçu un peu tout à l'heure, parce que je n'étais pas là. Hein. Voilà, je vous présente le drone. Voilà, et le nom, c'est K ou K, KAI ON Pro. Voilà, alors je viens de le recevoir. Il y a deux batteries. Voilà, deux batteries de 7,6 volts, 2200 ampères. Deuxième batterie. Avec ça, la sacoche qui va bien. Voilà. Voilà, la sacoche. Hein? C'est bien, hein? Parfait. Super. Voilà. Vous avez l'application en anglais et en chinois, bien sûr. Des listes de rechange. Je ne sais pas combien, hein? Je ne vais pas ouvrir. Et un câble pour recharger les batteries. Voilà. Par contre, ce qui est bien, au moins un truc bien, c'est que les hélices se défont comme le DJI, les autres drones, comme j'ai le Fimi, d'appuyer dessus, de tourner, et l'hélice s'enlève. Ça, c'est pas mal. Moi, c'est bien. Voilà, faut pas vous tromper de sens. Hein. Voilà. Alors, la caméra, pareil, c'est toujours pareil, c'est chiant. Hein. Caméra 3 axes. Hein. J'ai mis en route, j'ai regardé, parce que je ne peux pas voler, je suis en zone rouge, je suis confiné comme tout le monde. Hein. L'image a l'air d'être jolie. C'est rigolo parce qu'ils disent 4K, machin, tout ça, c'est du cinéma, hein, comme d'habitude. Ils disent que ils filment en 4K et tout ça, c'est fou. Quand vous allez dans l'application, qui s'appelle, bonne question, qui s'appelle Rex Drone. Rex Drone, vous allez dedans et en fin de compte, c'est que du 1080p. Voilà. Mais ça, c'est pas trop grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la caméra. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Ben parce que déjà, il me plaît. Il a une forme bizarre, comme d'habitude. Ben, voilà. Il a une forme. Vous voyez? Il a une forme bizarre. Alors, ils ont vraiment économisé sur tout. Vous prenez la batterie, vous voyez des petits LED, mais il n'y a pas de LED. En fait, c'est faux, c'est du plastique. Il n'y a aucun LED. Il n'y a que quand vous la chargez, que vous avez une petite LED ici, là, à cet endroit-là, où vous avez une petite lumière rouge et bleue. La clignote rouge, puis que c'est fini, j'imagine que ça s'arrête. Voilà. La radio commande. Alors, la radio commande, ils ont fait fort. Ils ont invité Magic Mini. Hein. Ah, voilà. La radio commande. C'est rigolo parce que ça me fait penser à la mienne. Alors, il y a quand même une antenne vraie. Celle-là, elle est vraie. Celle-là, elle est fausse. Là, vous le recevez, c'est comme ça. Vous refermez. Voilà, vous mettez ça. Les antennes à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. Les antennes à l'intérieur. Et voilà. Voilà votre radio-commande, comment elle est, vous la recevez. Elle n'a pas de pile. Elle se recharge avec le câble USB. Hein, ceci. Voilà. Ça. Que dire sur ce drone? La première vidéo que j'ai vue, j'étais très déçu. C'est les Chinois qui fait ça, très déçu. Et la deuxième, ben, ça allait mieux. Alors, est-ce qu'il a mal calibré? Est-ce qu'il a fait d'abord la calibration du gyro avant de faire la calibration du compas? Et sur ce drone-là, d'abord, on fait la calibration du compas après le gyro. On le voit d'abord quand on va l'allumer. Là, je vais vous montrer. On va mettre une batterie derrière. Voilà. La mise en route, vous croyez-vous que ça va se faire ici? Pas du tout. Ça se fait dessous. Ah oui, il y a un métier d'attitude, j'ai oublié. Pardon, il y a un petit mien. Il y a un métier d'attitude. Vous avez un bouton ici. Vous appuyez dessus. Vous avez deux antennes qui sortent, en plus, toutes pourries, même trois. Une là, une ici, une ici. Ah oui, aussi là-bas, c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez la carte SD que vous mettez là. Voilà. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Et il se met en route. Voilà. Et il est en route. Et il ne se passe pour la caméra rien du tout. Voilà. Il est en route. Bon, il cherche, bien sûr, pour le calibrer et tout, etc. Hein. Vous voyez, la caméra, elle ne bouge pas. Il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a rien qui est en route avec la radio. Faut le calibrer. Si vous calibrez le gyroscope, je vais le faire. Hein. Mettre en route tout ça. Devant vous,
Voilà, on enlève les antennes, on les met derrière comme ça. Ici, on fait comme le DJI, hein, le Mavic Mini. Le Mini, pardon, Mini. On appuie sur ce bouton ici. Voilà. Et il se connecte avec le drone. Alors, pour faire la gyroscope, pour faire le gyroscope, c'est les deux joysticks en bas à droite. Voilà. Là, il est calibré. Et normalement, la radio commande, le drone doit fonctionner. Et ça fonctionne. Vous voyez? Voilà. On va penser à tous ces drones. Vous voyez? Et c'est un trois axes, paraît-il. Comme ça, c'est à vous. Voilà. Voilà le drone, comment il fonctionne. Vous voyez? La caméra marche très bien. Hein. Après, il faut voir dans le vol, mais ça, c'est pas avant la fin du mois. Je suis désolé, je ne pourrais pas voler. Vous voyez, voilà. Voilà comment il fonctionne. Bon, ben, je vais l'éteindre, hein, ça va s'allumer. Voilà, il est éteint. Alors, la radio commande, je n'ai pas encore regardé, je vais le recevoir. Hein. Allumé, c'est ici. Voilà. Ici. C'est le RTH, ici, retour à la maison. Ici, c'est GPS, pas GPS, oui. J'éteins le GPS, vous l'allumez. Ici, on ne sait rien du tout, je ne sais pas. Ici, c'est la molette pour faire descendre la caméra. Et après, comme ça ne marche pas trop mal, elle descend très doucement. Alors, pour une fois, après, photo et vidéo. Ben, c'est une radio qui est hyper simple. Mon téléphone rentre dedans pile pile. Alors là, j'ai de la chance, mais bon, j'en ai d'autres. Hein. Mais il rentre, vous allez voir, on dirait un DJI, on dirait un Mavic Mini. C'est quand même impressionnant d'imiter des trucs comme ça. En plus, ouais, il faudra tenir le téléphone. Hein. Voilà comment ça fait. Voilà. Ils ont imité le Mavic Mini, quoi. Identique. Voilà. Là, j'ai reçu les batteries, elles sont pleines. Elles sont fortes, hein, elles sont pleines. Normalement, elles doivent être vides, mais elles sont pleines. Alors, est-ce que. L'autonomie, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a aucune vidéo qui a été faite sur ce drone. Ben encore, je suis le premier Français à le faire. Hein? Personne n'a fait encore sur ce drone. Personne n'a fait de vidéo sur ce drone-là. Ça fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut. Moi non plus. Je l'ai pris parce qu'il me plaisait. Pourquoi? Parce qu'il me plaît, c'est tout. Il y en a qui vont dire que ça m'a un crayon. L'autre qui vont dire, ah pardon, il est plus là aussi, j'ai oublié. Ben, il faut quand même le dire. Il est plus large, il rentre pas dans sa mallette comme ça. Voilà, plié, puis il est léger comme une plume. Il fait 249 grammes avec la batterie. Mais pas de souci, il faut le déclarer quand même, hein, parce qu'il a une caméra, hein, de beau, de dur. Hein. Voilà, plié. Voilà, quand vous le recevez comme ça, par contre, il n'y a pas de protection de gimbal. Mais bon, il y a la valise pour le mettre dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il est. Plié. Voilà. Je le trouve beau, il est léger comme une plume. C'est une plume. Et il y a la batterie dedans, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout dedans. Je dirais qu'il est vide. Plutôt, le truc que je reproche, toujours pareil, c'est qu'ils ont fait des économies sur les LED derrière de batterie. Et le problème aussi, il y en a encore un autre, bien sûr, comme toujours, c'est l'application. D'abord, je ne la connais pas du tout. Là, avec ce drone, je ne sais pas ce que c'est. Et en fin de compte, quand vous allez le mettre en route, vous voyez, il y en a qui peut-être qui la connaissent, UV. UAVO Go. En fait, cette application est servie pour le. Je ne sais plus le nom du drone, le IK, je ne sais plus comment, et elle ne fonctionnait pas. Et là, je me suis connecté au drone avec, pour voir l'application. Ah ben, l'application s'arrête tout le temps. Bon, elle ne peut pas rester allumée 30 secondes. Alors voilà, il va avoir des problèmes, j'imagine, comme d'habitude, faites un souci. C'est fait pour, je suis habitué, j'ai l'habitude. Alors j'ai payé le pack avec deux batteries, je dirais pas le prix, je l'ai acheté sur AliExpress, hein, je ne fais pas de pub, mais je l'ai pris sur AliExpress. Il devait arriver en 10 jours, il est arrivé en 3 semaines, hein, ça aussi, encore, c'est toujours le même système, mais autrement, moi, ça va. Enfin, il a l'air de fonctionner, il a l'air, je ne sais pas, je serai comme vous, enfin, moi en tout cas, je ne peux pas voler. Parce que mes 10 km ne me suffisent pas à les atterrir là où je vais d'habitude. Il y en a 25. Alors, je suis coincé quoi, de ne pas pouvoir voler et ça me fait. Ça m'embête beaucoup de ne pas voler. Beaucoup, beaucoup, ça me manque. Je vais quand même le tester chez moi. Je ferai le fou avec. Hein.
On verra bien, hein. Attention, on fait la case d'avancement du gyro, puis vous décollez. Faites attention, vous le mettez dans un endroit où il n'y a rien, puis vous décollez. Voilà, autrement, voilà, la radio, c'est du bas de gamme, quoi. On le voit, quand vous touchez, la merde, quoi. Ouais, pour le dire, voilà. Mais, ils ont fait un effort sur un truc, la radio, quoi, ça vous avez l'impression d'avoir émis, les batteries à la place de que dalle, quoi. C'est vraiment du. Non, 7 volts 4. 2200 ampères. VCC. Voilà. Ça, c'est les batteries. Vous avez les aiguilles de rechange. J'imagine qu'il n'y en a encore que deux. Et puis, la valise qui est très bien. La valise, elle est super pour le transporter. Ça, c'est top du top. Voilà, ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a rien d'autre. Voilà, il y a ça. Voilà, comme présentation. Voilà, je vous le remonte encore. Alors, ça s'appelle le. Kaionpro. Alors comment on dit ça? Est-ce qu'on dit K ou K? Kaion, Drone, Pro, pardon. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, hein, si vous avez intérêt. Les hélices sont compensées à tous les drones que j'ai eu déjà avant. Hein. Ce qui est rigolo, ben les moteurs sont tout petits. Alors j'imagine qu'ils ont de mou comme une chicomole. J'ai vu la grosseur des moteurs. Je pense qu'ils n'ont pas les vitesses. Mais on ne peut pas savoir avec, vous savez, les vidéos des Chinois, sont fausses. On ne peut pas savoir si la caméra elle est vraiment bonne. Hein, il y a une marque IS dessus, ouais, comme moi. Je vous dis, je suis pour le bêchofagiste. Alors, je ne sais pas du tout, je ne crois pas du tout. C'est des conneries, parce que quand vous allez dans l'application, ben, vous avez, comment on appelle ça? C'est 1080p. Ça dépasse pas 1080p. Et la caméra. Il faut le tester, mais le problème, c'est que je ne peux pas le tester. Je ne peux pas y aller. Je ne pourrais pas aller voler, c'est impossible. Voilà. Alors, quand vous ouvrez l'application, elle est pourrie. Voilà ce qu'on voit déjà. Voilà, c'est ça. Et pour aller dans Play, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà l'application. Voilà, ça sera ça. Voilà, la batterie, c'est. On est un tout minuscule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait? Je me parle d'accord. Hein. Je suis désolé. Ah ben voilà, il y a tout ça. Ouais, quand même. Il y a tout ça. Ouais. Ah oui, il y a tout ça. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Il fait tout ça. Ah ben non, il en fait. Hein. Sauf le café, vous ne faites pas. Alors, vous avez deux. Ben, il y a l'étalonnage. Le switch caméra. Pour inverser la caméra. Le pipe, je ne sais pas ce que c'est. Ah, le pipe, peut-être, c'est pour mettre en haut à gauche, vous, peut-être. Le VR, ça peut pas s'en servir. Split, c'est la vitesse. Alors, vous avez le waypoint, les points. Le multi, il tourne, le cercle. Le follow me. Le death mode. Le mode gesture. Après, vous avez la musique, des filtres. La rotation du téléphone. Le PTS. PTZ. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le panorama. Bon, à tester tout ça. Parce que franchement, moi je crois pas, mais bon. Il y en a qui vont y croire, moi je crois pas. Alors, quand vous allez dans le paramétrage, voilà ce que vous trouvez. Voilà, le paramétrage mode 1, mode 2. Là, vous faites ça, vous montez. Là, vous avez le nombre de pixels, je pense que c'est des photos. 1 million, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, 1080, alors 1 million, 2 millions, hein, 2 millions de pixels. Ouais, et la vidéo streaming, c'est 1080p. Vous avez le langage anglais ou chinois, et après, vous avez la version Wi-Fi, la version iPad, ouais, bien sûr. Voilà, le son, pour avoir du son, et c'est tout ce qu'il y a dans le machin, c'est tout ce qu'il y a. Après, vous avez. Ce que vous avez fait, hein, quand vous avez piloté, on vous dit où vous êtes, le GPS, comment on appelle ça, l'emplacement où vous étiez, voilà, tac-tac, ici, photo, vidéo et compagnie, hein, comme tous les trois quarts de drone, c'est ce qu'ils font. Voilà, ça, photo, vidéo, devise, ouais, c'est ça. Merci. Long pressing, voilà ça, et après, vous allez dedans, mais je pense que cette application ne fonctionne pas. Pour moi. Ne fonctionne pas du tout.
Elle fait que s'éteindre tout le temps, je ne peux que perdre la connexion. Mais je pense que j'ai un téléphone quand même assez potable. Alors je vais tester sur l'iPhone. Parce que, en fait, quand vous cherchez l'application avec ceci, on vous sort qu'il faut chercher. La raison, c'est UAV Go. C'est faux. Ben, j'ai cherché, il n'y est pas. Et vous tombez sur X. Et quand vous faites avec le code barre, vous tombez sur X drone. Voilà. Alors, la calibration, je vous l'ai montré. Hein. Le gyro, c'est comme ça. Voilà, en bas à droite. Et la calibration du compas, c'est le stick gauche en bas à gauche, le stick droit en haut à droite. Et là, le compas, il s'est mis à pivoter bizarrement. Là, vous lui faites faire bip, 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 tant qu'il n'a pas chanté, là, comme d'habitude, quoi. Et voilà. Ça, il est calibré. Après, est-ce qu'il y aura du GPS? La radio commande, elle, quand vous l'allumez, vous voyez, il se passe rien. Vous voyez, il n'y a rien. C'est rigolo, il n'y a que dalle, quoi. Y a rien du tout. C'est une application de bidon, il n'y a rien, quoi. C'est que dalle, quoi. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez voler sans l'application, oui, vous n'avez pas la télémétrie de la batterie, vous n'avez rien du tout. Hein. Vous ne savez pas si votre drone il va se casser la figure ou pas. Alors, comme je vous ai dit déjà, celle-là, l'antenne, elle est bonne. Celle-là, elle est vraie. Celle-là, elle est fausse. Voilà, ça. Et puis autrement, tout est léger, quoi. Je sais pas comment elle fait la batterie là-dedans. C'est tout une plume, le drone. C'est bien. C'est un truc facile à porter. Il est facile à. Oui. Il y a marqué US, c'est un peu ferme. Quand même. Hein. Ici, ils ont marqué US. Mais je veux bien les croire. C'est rigolo parce qu'il y a de lumière, mais elle ne s'allume pas, bien sûr. Hein? C'est rigolo, bon, je trouve joli. Moi. Personnellement. Après, ce n'est que mon avis à moi. Après, je sais pas ce qu'il a envie. Pour enlever la batterie, c'est ici. On l'appuie ici. On va le clone. Et hop, terminé. Ah oui, le défaut, encore, je redis encore, c'est fausse LED. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Ça fait comme vous allez voulez. Si l'application ne fonctionne pas, eh ben, il n'y a pas intérêt à voler, parce que comme je ne sais pas comment il vole, combien de temps il dure en vol, patati patata, je ne sais rien du tout sur ce drone. C'est une surprise. C'est bien une surprise. J'aime bien me faire avoir, surtout. Me faire avoir, surtout. Alors, j'ai pris deux batteries parce que je me suis dit, eux, ils disent 20 minutes. Mais je ne crois pas. Pas du tout. 20 minutes, quoique, peut-être. Comme il fait que 220 grammes, je crois, sans la batterie. Alors, peut-être c'est possible. Hein. Peut-être qu'il volera autant que ça. Hein. C'est possible. Hein. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout. C'est un nouveau drone qui vient de sortir. Hein, vous avez les bananes sur YouTube. Vous allez le trouver, vous verrez, vous trouverez. Hein. Et après, je sais pas. Ah, bah, j'ai trouvé à quoi il sert le bouton. Ce bouton-là, j'ai trouvé, je vais regarder. Ce bouton, il n'y a rien écrit dessus. C'est pour décoller. Voilà, il y a marqué Can Start. Voilà, c'est ça. On Can Land. Ça veut dire, il va décoller, je crois, c'est ça. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, pour le mettre en route. Après, vous avez le bouton d'à côté pour le faire, pour enlever le GPS. Et puis après, bah, il ne me montre plus rien du tout, parce que c'est pas la musique. Je n'ai pas envie de dire, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours la même musique, hein. Ces trucs-là, retourne-home, ça je sais. Retour à la maison. Par contre, il n'y a pas de réglage. Le retour à la maison, ça m'embête un peu. Pas combien il va tirer. Voilà l'application. Hein. Voilà. Au départ, elle est en chinois. Bon, pour lire, hein, parce que le chaos là-dedans, il n'y a pas. Hein, qui est, mais il n'y a pas. Qui est. Voilà. Je cherche le mot de passe. Et en fin de compte, quand vous tombez sur la page anglaise, là, vous n'avez rien du tout. Même pas le nom du nom. Voilà. Alors, il s'appelle KI On Pro. Oui, voilà, il montre un petit peu quand même. Voilà, il explique tout, mais c'est bien, c'est bien. Oui, il y avait deux hélices, j'avais raison, deux hélices, deux batteries, parce que moi j'ai pris deux batteries, un petit tournevis, je ne veux pas vous lire.
Le tournevis, je ne vois pas à quoi il sert. Parce que c'est des hélices qui se défont comme le fini, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai, ça c'est bien. Ouais, c'est un peu comme le drone d'avant, quoi. Mais il est mignon. Il est mignon, mais je suis sûr qu'il va vouloir pas un coup. Je suis sûr que c'est vrai. Ça va, je suis sûr. Mais ça fait rien, je l'ai pris quand même. Parce que il me plaisait. Commencé à me connaître depuis le temps, je sais, quand ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà. C'est mon style, c'est mon caractère, c'est comme ça. Il y a des drones qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas du tout. Moi, le cinéma ne me plaît pas du tout. Il y a des trucs que je vais aimer, d'autres que j'aimerais pas. Le film, j'adore. Le Bullvin, tout le monde a dit qu'il était moche. Moi, je le trouve très beau. Ça rappelle un peu au début, ceux qui se rappellent quand on faisait du drone. Au début, on avait quoi? Ben, le Bug 3, tous ces drones-là qui étaient un peu bizarres, qui avaient des formes, avec des grands pieds, des trucs comme ça. Ben, ça rappelle ça. Lui, il rappelle. Oui, c'est vrai qu'il ressemble à. Ouais, je sais pas, à quelque chose, quoi, une baguette, une saucisse. Un peu n'importe quoi, quoi. Il ressemble à tout, il n'y a rien, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la caméra. Je m'en fous, moi, de qu'il soit beau ou pas beau. Du moment qu'il filme bien, il y a une prise à l'intérieur, une prise blanche. Ah bon? Ouais, il y a une prise à l'intérieur. M'étonnerait que vous la voyez, elle est blanche. Là, on la voit, là. Là. Voilà, c'est blanc. Je ne sais pas ce que c'est une petite prise. À quoi ça sert? Ben, mystère. Oh yes, attention hein, les gars, ça va chauffer là. D'avoir un peu les vidéos là, ça va être au top du top 50 avec ça. J'ai vu la première vidéo du Chinon, mais c'est une catastrophe. Et puis j'ai l'eau. Et hier, à la deuxième vidéo, alors est-ce qu'il les a trafiqués ou pas? Je pense pas qu'on peut enlever quand même autant de trucs comme ça. Ça allait mieux. Un peu arrondi au loin, un petit peu quand même, comme ça. Parce que je ne sais pas ce que c'est comme caméra, je ne vais pas chercher. Je ne cherche pas d'abord. Je n'ai pas envie de chercher sur ça. Mais ça a l'air d'être pas mal. Il a l'air d'être pas mal. Il faut le tester. Il faut attendre 15 jours encore. Putain la vache. Plus que ça, même 18 jours encore. Attendre. Pour qu'on soit libre pour pouvoir sortir. Ben voilà, je voulais vous présenter ce nouveau drone. Voilà, le voilà. C'est la bête, hein. Ça s'appelle le Kéké. Non, c'est le K-On Pro. Voilà, merci à vous tous, merci de me suivre. Et puis, bon, voilà ceux qui peuvent voler. Voilà, merci.